C'est Amandine Valcarès, j'ai 23 ans bientôt en juillet. Je m'appelle Céline Zimmermann, j'ai le même âge qu'Amandine, bientôt 23 ans. Et je suis la cofondatrice du concept ILA. Donc notre activité, c'est de la location de vêtements pour femmes. C'est un concept tout jeune qui vient des pays nordiques et qui fonctionne très bien là-bas, que nous, on a découvert en Allemagne justement à la fin de nos études. Et en rentrant en France, on a essayé d'adapter au marché français. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir porter des tenues originales et colorées. Je pense qu'on voit derrière, c'est des tenues qui pètent un peu, principalement du vintage. L'objectif, c'est de pouvoir porter ces tenues colorées, changer de style au quotidien sans consommer plus de vêtements et limiter l'achat compulsif grâce à la location de vêtements. Bah moi, un conseil pour les femmes qui n'osent pas entreprendre, c'est justement d'oser en fait. Et de ne pas avoir peur de demander de l'aide, de ne pas avoir peur de ne pas savoir des choses aussi. Être une femme, ce n'est pas du tout un frein. On ne doit même pas y penser en fait. Voilà, tu entreprends, tu es entrepreneur, que ce soit sans eux, avec un entrepreneur. Et voilà, il faut se lancer quoi qu'il arrive. Et je pense que de manière générale, il ne faut vraiment pas avoir peur de l'échec. Parce que quand tu lances un projet, tu vas peut-être le réussir, tu vas peut-être le rater, ou il va peut-être y avoir certaines étapes que tu vas rater, mais il faut réessayer et retenter, et au pire, ça marche, quoi. Emma Watson, une C'est femme très facile. inspirante, ouais, c'était facile, mais une femme très inspirante qui justement fait entendre la voix du féminisme, mais aussi de la mode éthique, et je pense que c'est ce genre d'égérie en fait qui pourra réussir à toucher le grand public, à sensibiliser, et c'est un très bon exemple à suivre, je pense. C'est en se plantant qu'on devient cultivé. Vas-y, fille. Peu importe l'âge, l'origine, tout le projet, l'idée, il faut oser.